Merci mon cher collègue pour cette présentation sommaire. Je tiens à remercier également l'Institut français qui nous accueille aujourd'hui dans le cadre des premières journées de l'épopée gabonaise. Je suis spécialiste du MVET, certes, mais le MVET et les autres épopées gabonaises se ressemblent. En parlant du MVET, je parle de l'Ende, je parle du Mumbwang, je parle du Nzebi et je parle de Mpumbwe, mais en m'appuyant plus spécialement sur le Mbé. Toutes ces épopées se déclament au son d'instruments. Nous allons donc, notre première partie concerne l'aspect pratique des épopées, notamment du Mbé. On peut comprendre par aspect pratique ce que le métalangage scientifique appelle la performance, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'énonciation de la parole. Comme son nom l'indique, le Mverekan évoque exclusivement la geste des immortels Ekan. Nous allons d'abord aborder le temps de l'énonciation. Ça veut dire quoi en termes courants? C'est à quelle occasion déclame-t-on le Mvet ou les grandes épopées gabonaises que je viens de citer. La profération des poèmes est faite par un professionnel à l'occasion notamment du Mvet des rites du retrait de deuil d'un homme. Je suis une femme, je suis spécialiste de Mvet, mais à ma mort, je ne crois pas qu'on déclamera le Mvet parce que c'est l'apanage des hommes. Dans les temps anciens, c'était les premiers des lignages, les chefs de lignage, et plus tard, des guerriers tombés au front. C'est à eux qu'était destinée la profération du Mvet dans l'Antiquité et jusqu'au XIXe siècle. Cette cérémonie représente le sommet des manifestations en raison de son caractère sacré. Autrefois, le Mvet se jouait la nuit, à la lueur du feu de bois et plus tard des lampes tempêtes. Cela était conforme au caractère sacré et rituel attaché à la signification du Mvet comme rite de passage. Par le rite était recréé le temps anhistorique, le temps démiurgique, le temps avant le temps historique. Mais dans la moitié du XXe siècle, le Mverekan a subi des aménagements dus notamment à l'ouverture au monde. Nous en avons débattu hier largement. Le temps rituel n'est plus scrupuleusement respecté, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Comme je l'ai dit hier pour l'écriture, c'est un mal nécessaire. Mais gardons-nous d'en abuser au risque de transformer le Mvet en danse, vidé complètement de son contenu et de sa fonction sacrée. L'espace de l'énonciation. Le Mvet se profère dans l'espace public appelé Aba. Je vous conseille d'écouter à nouveau ce qu'en dit Pierre Claverze dans son chant prophétique intitulé Aba. C'est un espace de pouvoir consacré à l'occasion de la célébration du Mvet par des interdits et une disposition en rectangle que ceux qui font les maîtres comprendront ce que c'est que la disposition en rectangle. Comme pour le temps, cela est un peu
Cela est peu connu et les interdits sont bafoués pour les besoins de la vulgarisation et de l'ouverture au monde. Le costume du musicien, poète ou diseur de mvette. On peut faire les mêmes remarques en ce qui concerne le costume de scène et d'apparat du diseur de mvette que ces derniers négligent pour faire moderne. Ils oublient que rien dans la tradition n'est gratuit ni superflu. Et ils s'étonnent de ce qui leur arrive durant la déclamation ou plus tard. C'est comme demander à un prêtre de célébrer la messe en short. Je frappe les esprits pour bien comprendre que le costume de scène n'est pas un superflu. Les brassards de peau de bête que vous avez vus sur les bras de Tyrann Don Liban. À l'époque, ils mettaient des sonnailles aux chevilles. Ils mettaient des peaux de bête autour des reins. Et ils avaient des panaches de plumes sur la tête. Nous avons vu hier avec Tira Owonomba qui a conservé, mais Don Biban, lui, il a mis un petit panache de 2 ou 3 plumes. Tout est symbole dans le mvet. Tout est symbole dans le mvet. Et c'est vraiment dommage que pour faire moderne, nos jeunes musiciens poètes ou diseurs de mvet font table rase de ces objets protecteurs. Ce sont des objets protecteurs parce que la profération en public est pleine de dangers. Et pour le joueur de mvet lui-même. En négligeant cet aspect symbolique et sacré, il s'expose. L'auditoire, c'est-à-dire nous, ceux qui frappent de leurs mains avec des baguettes, bipara, ou qui frappent sur les clochettes, mongon. L'auditoire complice d'antan, je dis bien complice d'antan, avait une fonction de contrôle de la conformité de la parole. C'est clair. Je tiens à le redire haut et fort ici. L'auditoire était complice. Elle était constituée d'initiés au melan, au sot, à l'essis, au ngui, qui sont des institutions, des ordres initiatiques fins, qui avait la fonction de préserver la civilisation et la parole. Je parle sous le contrôle d'Arthur, qui est le fils de Tirando, et qui lui-même écrit et qui ne veut pas publier. Le poète demandait chaque fois si sa déclamation était juste et parfaite à ces érudits qui constituaient l'auditoire. Cet aréopage marquait son assentiment en disant un cas, en disant tu es sur le chemin. Nous ne parlerons pas dans ce paragraphe de l'énonciateur, c'est-à-dire du diseur, du vêtement ou du musicien poète. Nous l'aborderons dans la deuxième partie. L'auditoire complice reprenait en chœur les refrains comme nous l'avons fait tout à l'heure. Le silence était de mise pour ne pas perturber l'écoute et la concentration. Malheureusement, cet auditoire érudit a disparu. Et les poètes sont livrés à eux-mêmes. Ceux qui n'ont subi aucune initiation se permettent de jouer en public et de profaner la parole. Voilà en quelques mots les aspects pratiques du mvet. Nous allons entrer dans la deuxième
partie de notre propos qui est l'aspect théorique du Mvet et des épopées en général. Le mot Mvet dérive du verbe avet. Ce n'est pas ce que dit Obiangwo, mais ce n'est pas grave. D'aucuns diront abet. Ce sont que des guerres d'école. Cela ne nous intéresse pas là. C'est pour les érudits du Mvet. Abet, ça veut dire grimper. Avet, ça veut dire s'élever sur la pointe des pieds. Mais tout cela implique une notion d'élevation. Le phénomène Mvet se décompose en trois entités. Nous entrons dans les trois topoi du Mvet, c'est-à-dire les trois éléments constitutifs du Mvet. Je disais donc que le phénomène Mvet se décompose en trois entités. La parole, d'abord, que les mystiques appellent le verbe et que les philosophes appellent le logos. N'est-ce pas, maître? Bien sûr. Lingo. Enfin, la parole s'appelle un lamvet. Le musicien poète, je l'appelle ainsi, je l'expliquerai pourquoi, ou le diseur de mvet, s'appelle un bomemvet. Et l'instrument s'appelle mvroyon. Le mvet instrument que nous venons de voir, la harpe, le mot scientifique c'est harpe sitar, s'accompagne de clochettes et s'accompagne de baguettes entrechoquées. Bipara, les clochettes c'est mongong. Tout cela forme un mini orchestre, un rythme qui soutient la déclamation. Le mvroyon est fabriqué à partir d'une tige séchée de palmier raffia appelée dzang, parce qu'il y a plusieurs sortes de palmier raffia. Il y a dzang, c'est le, et puis enyiba bonyi ebuni na palmier zam, c'est pour faire les tuiles de et dzang. C'est pour faire, on prend, ce palmier est lié, il faut bien le rappeler, ce palmier est lié à l'histoire de la fondation de la nation Fan, que l'on retrouve dans Ngouran Ngouran, le fils du crocodile, l'épopée héroïque des migrations. Je vous demande de le relire dans le Père Tri ou dans la thèse de Ngemobam Paulin, Ngouran Ngouran, le fils du crocodile. Ça retrace toute l'émigration depuis les vallées du Nil. Et justement pour tuer le dictateur Mburu, qui prélevait un tribut humain, on s'est servi du palmier, on a sacrifié un palmier. Vous vous imaginez dans le désert, ce que ça signifie de couper un palmier. Le palmier est un arbre complet. Les feuilles, on s'abrite, on fait des tuiles. Les branches, on fabrique le vet. On mange les fruits, on mange le cœur, le tronc, on fabrique avec des meubles. Enfin, tout dans le palmier sert. Et sacrifier un palmier, c'est, pour ainsi dire, sacrifier un être humain dans le désert, chaque chose dans son contexte. Donc, ce palmier est lié à l'histoire de la fondation de la nation Fan pour se débarrasser du dictateur Mburu. L'évolution de l'instrument décrit par Daniel Asumundutumu, je n'ai pas pu la vérifier parce que dans les tombes pharaoniques, on a retrouvé un vet qui ressemble à celui que nous avons aujourd'hui. L'hypothèse la plus plausible est que la harpe étant devenue
trop lourde. Vous connaissez tous la harpe. C'est un gros instrument très difficile à porter. Parce que dans les temples égyptiens, les musiciennes des harpes, c'était dans les temples, ils jouaient de la musique pour les divinités. Comme les musiciennes disaient. Donc dans les temples égyptiens, les musiciennes jouaient de la musique. Et Zeprosper le dit quand il dit que le Mvet intériorise le Menzan. Menzan, c'est la musique. Menzan, c'est pas tant le balafon que la musique elle-même. Donc, l'hypothèse la plus juste, c'est que la harpe étant devenue très lourde pendant les migrations, ils ont fabriqué un instrument plus léger qui devait les accompagner le long des migrations. Ça, c'est l'hypothèse la plus plausible. Les harpistes l'ont donc remodelé dans une matière plus légère, la tige de palmier remplaçant le corps et les cordes et les calebasses évidées servant de caisse de résonance. L'instrument oyon est le fidèle compagnon du poète. Il inspire le poète. Il soutient la parole, la déclamation, la profération par le rythme qu'il crée. Il est le médium entre le poète et la transcendance. Quand le mvet est posé horizontalement, il est inactif. Je parle sous le contrôle d'Arthur. Quand il est dressé à la verticale, il relie les sphères supérieures et les sphères inférieures. Il n'y a pas de diseur de mvet sans harpe. Par contre, pour la profération, quand ce sont les femmes, elles peuvent se faire assister par des harpistes qui ne sont pas des musiciens poètes. Ils jouent seulement de la harpe. Les anciens connaissaient la divine harpe. Homère célèbre la divine harpe dans l'Iliade. Je vous ai parlé aussi de Prosper Zé, qui célèbre le Menzan. La musique de la harpe est destinée aux divinités. Nous allons donc entrer à proprement parler dans l'explication du lamvet du chant. Le chant est comme un chapitre. La quantité verbale du poème est assurément la caractéristique qui frappe d'emblée un observateur non averti. C'est-à-dire que le lamvet se développe sur plusieurs heures. On y parle beaucoup. On chante, on soliloque. Le texte est un organisme se composant de plusieurs éléments incorporés à des degrés divers. Donc, tout à l'heure, quand le musicien poète a commencé à déclamer, il a énoncé les distiques philosophiques. Qu'est-ce que c'est? C'est généralement des discours en deux vers. C'est pourquoi on appelle distique. C'est deux vers. Comme il a dit tout à l'heure, le malade croit au ngengan, au médecin, et le ngengan croit à la tête et au gigot de mouton qu'on va lui donner après le traitement. La massue du forgeron demande des bras solides et la harpe demande des musiciens, des joueurs. En fait, c'est toujours des matrices, j'appelle ça des matrices sous forme de deux vers qui se répondent. On appelle ça les distiques philosophiques. En fait, ce sont des matrices d'épopée que le musicien conserve depuis des millénaires. Ça résume aussi toute la philosophie.
Donc, nous avons, et puis le chant, là, il n'a pas pu développer un chant en entier, c'était juste pour illustrer le propos. Le chant est un large espace textuel pouvant contenir des genres tels que le segment narratif, le soliloque et l'interlude. J'expliquerai tous ces mots après. Il se confond avec l'épisode. Pour prendre un exemple, le récit de Zominzi est découpé en 12 chants. Ce terme appartient à la terminologie de la forme épique. Enfin, le terme est eniga. L'articulation, au sens propre ou au sens littéraire. Le découpage des chants est bien perceptible dans la version orale. On n'a pas pu le voir, ceux qui ont vu, ont entendu l'invette hier et tout à l'heure l'ont bien vu. Le chant est un espace clos. Le soliloque, là, il n'a pas développé, mais ce sont des lamentos où le poète se plaint de sa condition de poète, de diseur de vers, où l'errance, la difficulté, les femmes qu'il a ratées, les complications qu'il a eues. C'est le cas des différents chants. Chaque chant est coupé d'un soliloque, c'est-à-dire où le poète se plaint. Il en a sorti. Comme il voulait épouser au foyer, non, pas au foyer, il a dit tout à l'heure, il a chanté, enfin, toutes les femmes qu'il a ratées, c'est ce qu'on appelle le soliloque. On peut ainsi avancer l'hypothèse que les interludes et les soliloques ont la fonction de distinguer les épisodes. En conséquence, il semble que la séparation en chant obéisse à une dynamique, celle de la progression du récit. Le segment narratif, c'est un mot un peu barbare qui veut dire le récit où on raconte. Tout à l'heure, il a commencé le récit d'Akomamba qui est écœuré parce que à aucune, c'est-à-dire chez les mortels, beaucoup de maisons étaient fermées à cause de la mort. C'est ça qu'il a voulu développer ici. C'est le chant. C'est donc le récit du conte lui-même, le conte philosophique. C'est le récit. Je l'appelle le segment narratif parce qu'il narre une histoire. Le segment narratif désigne les passages du corpus où l'histoire est contée. C'est l'espace où se déploie le récit. Le texte serait linéaire s'il était entrecoupé de soliloques et d'interludes. Le segment narratif se distingue des autres catégories du texte par sa morphologie. En effet, il est important de pouvoir discriminer les catégories textuelles dans le poème oral. Le segment narratif se compose de vers libres présentant une forme assez régulière. Son volume est également plus vaste. Quant à la diction, le segment narratif se déclame, vous l'avez entendu, il se déclame. Alors que les autres catégories qui dans le texte écrit sont en italique sont soit chantées, soit psalmodiées. Le segment narratif comprend des récits d'événements, de paroles ainsi que des descriptions. Le narrateur est extra-diégète, pardon. Le narrateur, j'allais vous dire, enfin, il y a des étudiants, là, je vais quand même sortir le mot. Le narrateur est extra-diégétique, hétéro-diégétique. Ça veut dire qu'il parle à la troisième personne. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il cultive la distance et l'objectivité, c'est-à-dire qu'il raconte à la troisième personne. Lui-même n'est pas, il ne parle pas de lui. Il parle des héros, qu'ils soient mortels ou immortels. C'est ce qu'on dit qu'il cultive la distanciation et l'objectivité. On est obligé d'utiliser un peu le métalangage scientifique pour que les étudiants qui sont là comprennent, mais j'expliquerai chaque fois. Le récit est à focalisation zéro, c'est-à-dire que la personne ne parle pas de lui-même. La focalisation peut être fixe ou variable. Dans l'incipit, par exemple, c'est-à-dire dans le début, la focalisation se fixe sur Zominzi, dans le texte de Tarezieu, ou bien
de Lamine Komobian, qui est le lieutenant dans le tome 1 de Tira. La focalisation est interne à cette époque-là, est au mot diégétique. Au mot diégétique, c'est-à-dire, c'est la personne qui parle en son nom. Quand les héros parlent, ils utilisent une focalisation interne. Le sens du poème, c'est-à-dire la signification du poème, est contenu principalement dans le segment narratif, c'est-à-dire la narration, le conte, et dans une moindre mesure dans l'interlude, le soliloque, c'est-à-dire quand le poète se parle à lui-même. Le terme soliloque se définit comme désignant le discours d'un homme s'entretenant avec lui-même. Il s'applique à ces moments dans le mvet quand l'énonciateur, c'est-à-dire le diseur de mvet, semble ne pas s'adresser à l'auditoire. Ces énoncés parsèment le poème. Il se réfère toujours à lui-même, oh, je souffre, je me mets dans son pourri à cause de mon dos est cassé. Ce sont ces moments-là où il se plaint de sa condition de poète et du fait qu'il va de village en village pour proférer la parole. Le soliloque se distingue du segment narratif par sa forme lyrique très prononcée. Lyrique, c'est-à-dire c'est très serré, il y a beaucoup d'effets de style. Et il est chanté, il est psalmodié. Sa morphologie est très variable, c'est-à-dire il peut être court, il peut être long, il peut être moyen. Il existe de longs soliloques se développant sur plusieurs pages et de très courts se résumant en une ligne. L'exemple suivant le confirme, le neveu d'un Koumadan, le neveu d'un Koum se sacrifie pour les mélodies. Ça, c'est Tarazieu qui utilise beaucoup ce soliloque-là. Mais le phénomène le plus marquant est la répétition. Les soliloques revêtent la forme de syntagmes itératifs présentant des variantes longues ou concises. Syntagme, c'est des morceaux de vers qui se répètent constamment. La variante longue du syntagme nominal est par exemple le neveu du clan Okumadan. Et la variante brève, le neveu d'Okum. Le soliloque développe ainsi une variété de formes qui hypertrophie le syntagme nominal. Ça veut dire que, au lieu que le poète parle de lui-même en disant moi, il va utiliser le neveu du clan Onkoum. En fait, il se désigne lui-même par des périphrases. Donc, comment dire, le pronom je est hypertrophié. Ça, c'est pour les étudiants. Assurément, le soliloque dans le mvet est la forme la plus affectée par la variabilité et la répétition, rappelant en cela le style formulaire des épopées médiévales. Le rythme des vers est perceptible à l'oreille dans l'énoncé fin. Le narrateur des soliloques est extra-diégétique au mot diégétique. Il raconte au premier degré sa propre histoire, celle de ses relations avec le mvet. Ce sont des relations exclusives et contraignantes où la solitude et l'errance prédominent. Ces lamentos poignants évoquent la mort et le sacrifice. Ils font de l'art du mvet un vrai sacerdoce. Le soliloque est généralement psalmodié, parfois il est chanté ou murmuré. La langue du soliloque est soutenue et poétique. Le lexique se compose de mots larges tels Efoulaboboum, le virtuose, Aou, la mort, Abaman, effrayant. Les verbes tels Ayan, dire adieu, Aabouran, se sacrifier ou mourir pour quelque chose, Aatar, invoquer, relèvent d'un champ sémantique identique. Le style est recherché. Le texte comporte des périphrases, des métaphores, des euphémismes et des hyperboles. Le soliloque utilise en permanence la périphrase. Les fonctions du soliloque sont multiples et la première est rythmique. Les groupes nominaux forment des syntagmes rythmico-syntaxiques. Combinés à la variation
et la répétition, ils forment des échos et des correspondances unifiant le texte. En outre, les soliloques remplissent une fonction fatigue, c'est-à-dire d'appel, d'éveil. Véritable clignotant auditif qui généralement précède un événement important. L'auditeur dresse l'oreille quand il entend le soliloque. Ce n'est pas comme dans un livre où il y a des pages blanches, des paragraphes. C'est le soliloque qui sert à dire à l'auditeur que, attention, un événement important arrive. Enfin, il semble que le soliloque donne de la vigueur, de l'énergie au texte. Il lui permet d'avancer sous l'effet d'une pulsion. La narration et l'énonciation ont besoin du soliloque pour progresser. L'interlude. L'interlude, c'est le chant que nous avons tous repris en chœur. L'interlude est un segment lyrique, parce qu'on le chante, chanté par le diseur de Mvet, qu'accompagne un chœur, c'est-à-dire nous, l'auditoire, qui reprend les refrains. Nous avons vécu ça tout à l'heure. Les segments lyriques contenus dans le poème revêtent la forme de chanson. Le joueur de Mvet est le soliste, l'auditoire, le chœur, et le texte est chanté sur la musique de la harpe, des baguettes et des clochettes. Les interludes ont un volume textuel assez développé. Il s'étend sur plusieurs pages. Leur longueur est due à la répétition des refrains. Ceux-ci ont une forme qui ne varie pas au sein d'une chanson spécifique. C'est le seul espace dans le récit où l'auditoire, c'est-à-dire nous, et l'énonciateur coopèrent. Dans ce cas de figure, le co-énonciateur, la co-énonciation est attestée, c'est-à-dire que le poète et l'auditoire profèrent ensemble, car l'auditoire remplit deux fonctions, il est l'orchestre et le chœur. En effet, il marque la mesure à l'aide des clochettes et de baguettes. Son concours est indispensable pour la réalisation des interludes. Le co-énonciateur remplit à peu près les mêmes fonctions que l'énonciateur. Bon, je vais dire en français courant. L'auditoire remplit à peu près les mêmes fonctions que le diseur de Mvet. L'auditoire joue des instruments et chante le refrain des interludes. En oralité, il arrive que dans l'acte d'énonciation, mettez-lui la chaise là, s'il vous plaît. D'abord, en oralité, je disais donc, en oralité, il arrive que dans l'acte énonciatif, le locuteur et l'auditeur remplissent les mêmes fonctions. Je vais redire, en oralité, il arrive que dans l'acte d'énonciation, le diseur de Mvet et l'auditoire, c'est-à-dire nous, remplissions les mêmes fonctions. L'auditeur n'est pas passif comme le lecteur, parce que quand tu lis, tu es passif, alors que quand tu assistes à une séance de Mvet, tu n'es pas passif, tu joues de l'instrument. Tu chantes, tu reprends des refrains. Loin d'être un simple consommateur, l'auditoire participe pleinement à la construction de la séance de Mvet. Les interludes remplissent les mêmes fonctions que les soliloques. Ils présentent l'avantage d'avoir plus de volume textuel et permettent un développement, une explicitation du thème abordé. Ce que ne peut faire la forme elliptique du soliloque. Le soliloque est très court, alors que l'interlude est très long. Et généralement, l'interlude annonce les événements qui vont apparaître dans le récit. Les titres des interludes donnent des indications sur les thèmes qui seront évoqués. La majorité des interludes parlent de l'éthos du poète,
L'éthos, c'est-à-dire la fonction du poète. Et parfois dans une forme étrange, faisant appel à la personnification d'animaux, notamment le daman, Nyok, dans l'interlude 5, et le kalao. Voilà les deux animaux dont le poète s'identifie. Le daman, c'est-à-dire le nyok, dans les nuits africaines de la forêt, on entend ce chant très loin. Sa voix porte sur des kilomètres. Et il chante Kole Nyok, Kole Nyok. Et c'est la seule voix dans la nuit qu'on entend, en dehors des hiboux, bien sûr. Ces animaux symbolisent le poète par certains de leurs caractéristiques. Dans les interludes, le poète et le verbe sont des entités, disons plutôt des pôles, qui entretiennent des rapports complexes. Indépendamment de leur fonction de découpage du récit en chant, les interludes remplissent une fonction particulière, celle d'annoncer l'action à venir sous la forme métaphorique du thème de l'interlude. Le narrateur, grâce à ce fil d'Ariane, c'est-à-dire un fil conducteur, conduit et encadre la compréhension de l'auditoire. La quatrième interlude, dans Zwingema, raconte ainsi la mort du joueur de Mvet Ndoeyo à Mongomo. Il préfigure de cette manière la mort d'un Kudamza à Okun, tué par Zomizi. Un parallèle est tiré entre le voyage de Ndoeyo à Mongomo et celui d'un Kudam à Okun, les deux sanctionnés par la mort. Le texte fonctionne ainsi par allusion. L'interlude tisse avec le segment narratif des réseaux de correspondance, d'écho thématique, sémantique et stylistique. Il est indispensable pour la compréhension de la suite de l'analyse de bien préciser que les éléments constitutifs du récit sont imbriqués. Ce phénomène d'imbrication touche le segment narratif, le soliloque et l'interlude. Il désoriente l'auditeur, l'écouteur non averti. C'est pourquoi les gens disent « Oh, c'est compliqué de se retrouver dans le verre, tout est mélangé. » Parce que justement, ils ne savent pas faire la différence entre le segment narratif, c'est-à-dire le récit, le conte lui-même, le soliloque qui est les moments où le poète se lamente et l'interlude où il chante avec l'auditoire. Dans le texte oral, ces différents éléments présentent beaucoup de similitudes, il est vrai, ce qui provoque également des incompréhensions. Mais maintenant que vous savez, vous qui êtes là, comment distinguer le segment narratif, l'interlude et le soliloque, parce qu'on vous a donné leur constitution et leur fonction, vous saurez maintenant, en écoutant le Mvet, qu'est-ce qui est déclamé, qu'est-ce qui est chanté et qu'est-ce qui est psalmodié. La déclamation du segment narratif est vocalement proche de la psalmodie du soliloque. Seule la hauteur de ton fait la différence. Parce que dans le vet oral, il faut écouter aussi la hauteur du ton. L'interlude se démarque des deux précédentes catégories par la participation effective de l'auditoire. L'interlude, c'est l'auditoire et le diseur de vet qui chante. Le soliloque, c'est le diseur de vet qui se plaint. Et le segment narratif, c'est quand il raconte l'histoire, les combats, les paroles des uns et des autres. Nous allons aborder vraiment le cœur de notre exposé qui est la parole des origines, le verbe, le logos. De quoi parle-t-on dans le Mvet? C'est la question que l'auditeur, lecteur naïf se pose invariablement. La première réponse venant au musicien poète est que le Mvet parle de la totalité des choses. Mamese. Le Mvet questionne en effet toutes les manifestations du monde. La question de savoir qui parle dans le Mvet suscite de nombreuses réactions.
La réponse habituelle donnée est que les messages des récits est dicté en rêve. N'est-ce pas? Oh, j'ai dormi, le maître est venu me dire ça. Ce postulat va à l'encontre de l'idée occidentale de la littérature, même si dans l'Antiquité, on admet volontiers la théorie de la muse qui inspire le poète. Par le souci de remonter à l'origine des phénomènes, les grands maîtres ont fini par dévoiler l'existence de la divinité Eyo et du coma qui révéla la naissance de l'univers, expliqua les lois le gouvernant, exposa les raisons de la mort et la méthode d'accès à l'immortalité. Le discours du Mvek est ainsi bordé par l'absolu. Rien n'existant avant lui, il est ainsi premier dans l'ordre de la manifestation. Dès le prologue, c'est-à-dire dès le début, le musicien poète énonce la cosmologie, la création de l'univers, de l'homme et de toute la nature. La cosmologie du Mvek est développée dans toutes les œuvres du Mvek, même dans celles écrites de Tirandon. Ces indications permettent de définir par la même occasion les rôles et les fonctions dévolues aux différentes divinités constituant la transcendance. Zame Yome Bara, Dieu d'en haut, de la terre, des hommes et du souffle. Karme Bara, Umpame Bara, Dieu ascendant des immortels au peuple d'Engon. Zome Bara, aux multiples attributions, dont Dieu de la répression contre les mauvais esprits. Mbara Mungpa avait également engendré un quatrième fils, Ndome Bara. C'est à lui qu'on attribue la procréation des hommes au cul et mortels. Zame Yome Bara, le Dieu d'en haut, de la terre, des hommes et du souffle, est le plus connu. Il correspond au Dieu unique des chrétiens. Mais dans la tradition fan, Monseigneur nous en a parlé dans une émission. S'il veut, il peut nous entretenir de cela tout à l'heure. Il dit que nous sommes les ancêtres et ceux d'aujourd'hui, nous arrière, petit-fils. Mais dans la tradition fan, d'autres dieux existent. Ces enseignements du Mvek répétés en prélude à chaque profération rituelle constituent un démenti où on dit que, où l'hypothèse dit qu'il n'y a pas de divinité chez les fans. Il est en effet difficile d'ignorer ces enseignements qui installent le Mvek dans le temps sacré. Il rappelle l'origine de la création de l'univers et la théorie par laquelle Dieu crée le monde. Grégoire Billon rappelle ses enseignements tirés du prologue du Mvek 3 qu'il titre « À bien entendre ». Tout ce qui n'a pas encore été est dans Eyo. Tout ce qui a été procède d'Eyo. Tout ce qui est en Eyo. Et tout ce qui sera l'est par Eyo. Tout passe et Eyo demeure. Il n'a ni commencement ni fin, car tout en lui est inscrit à l'état de virtualité. Il est l'inconditionné par quoi tout se tient sous condition, tandis que lui est sans condition. L'avant, le toujours, le sans origine, le sans fin et Eyo est. Il est absolu. C'est l'encyclopédie du Mvek, tome 1, page 130. 2002, je vous donne la référence. Il est difficile d'expliquer mieux les caractéristiques du dieu Eyo censé être à l'origine de toutes les autres divinités citées précédemment. Lors de ses enseignements aux disciples, le grand maître du Mvek Tsirandon Dutum propose d'Eyo la définition suivante. Eyo, Enya, Anayo, Eyo est au-dessus de toutes choses. Eyo, Ano Ozan, Eyo est au centre de toutes choses. Eyo, Angayo, Angayo, Eyo a vomi, Eyo, Angayo, Eyo s'est multiplié, Eyo, Anga, Ano Adame, et c'était. Eyo est dans toutes choses. Eyo, Zomese, Eneyo était. C'est Word qui m'a gaspillé. Ce qui fait qu'il m'a remplacé par les symboles, par des carrés. Ok.
Zomese ene yo ete e tout chose dan e yo e yo an enye ave se e yo ki retire e yo enye azo se e yo ki parle e yo enye abo se e yo ki agit. Zoma azomo aucune chose mora moro aucun homme insisima insisim aucun esprit bevayem ane e yo ane ne connaît la nature de yo e yo enyane c'est e yo qui est. Tirandon doutoum au commencement était le verbe documentaire d'Antoine Abessol Nico Senassi Libreville 2003. Le questionnement ontologique non, cette formulation se transmet de maître à disciple depuis l'origine d'une vête depuis Oyona Dangon. Mais elle a été gardée secrète comme les autres enseignements ésotériques. Mais Tira a eu l'autorisation de ses maîtres pour le divulguer. Le questionnement ontologique du Mvet, ontologique c'est le questionnement existentiel. Chaque fois que j'utilise un mot scientifique, j'essaie de l'expliquer. Le questionnement existentiel du Mvet naît de l'angoisse de la finitude, c'est-à-dire de la mort. L'angoisse jaillit de la confrontation à la nudité originelle de l'être au monde. Elle en est l'expérience radicale. Ainsi, l'angoisse repose-t-elle le problème de l'être dans l'axe du temps, constitué par les repères passé, présent, futur. Mais au-delà de cette angoisse fondatrice, le Mvet tient un discours sur l'origine de l'univers, explique la manifestation de la vie et le phénomène crucial de la mort affectant non seulement l'homme, mais toute chose. Ce phénomène est dénommé l'impermanence ou l'éternel changement dans la philosophie asiatique. L'impermanence ou l'éternel changement. Aussi, pour les repères temporels du présent et du futur, le Mvet conçoit un enseignement qui permet à l'homme de combattre l'angoisse de la finitude en lui expliquant le pourquoi des phénomènes. Il propose une méthode en forme de cheminement philosophico-spirituel exposé par Grégoire Guillon. Je cite, « Mvet nomme celui qui travaille à s'élever par la pensée en vue de recueillir la parole qui contient la sagesse de la combinaison du juste et du vrai. Mvet recommande de détruire tout ce qui nous tirerait encore vers le bas. Mvet décrit le geste de la puissance, le geste universel de l'arrachement à soi, celui du dessaisissement radical de toute expropriation au terme duquel l'immortel naît de l'homme. Peut sortir. C'est tellement compliqué. Donnez-lui de l'eau, pardon. Donnez-lui de l'eau, s'il vous plaît. Amen. Qu'on l'amène dehors. Oui. Portez-le. Non, c'est pas le Mvet. Tout le monde est entré. Je disais que Grégoire Biyogo, théoricien du Mvet, dit que Mvet nomme celui qui travaille à s'élever par la pensée en vue de recueillir la parole qui contient la sagesse de la combinaison du juste et du vrai. Mvet recommande de détruire tout ce qui nous tirerait encore vers le bas. Mvet décrit le geste de la puissance, le geste universel de l'arrachement à soi, celui du dessaisissement radical de toute expropriation au terme duquel l'immortel naît de l'homme. En termes clairs,
ça veut dire que l'immortel naît de la force de l'homme qui descend au plus profond de lui-même et qui par un geste d'élévation avut ou abut j'ai taqué mon collègue qui veut dire s'élever, se propulser, sortir. C'est pourquoi les épreuves ne doivent pas faire peur, parce que c'est dans l'épreuve qu'on grandit. Le travail personnel consistant à s'élever par la pensée. L'arrachement dont il est question est un verbe fin, avut, s'élever, exprimant cet effort considérable qui, partant de la pointe des pieds, contracte les viscères dans une expiration longue et se termine en un jaillissement vers la connaissance. Le mouvement intérieur est très perceptible. Il donne l'impression de faire un saut fantastique vers l'inconnu. On comprend alors pourquoi le vêtement est indissociable d'une espérance. L'être appartiendrait au monde éternel de la manifestation, l'être ou l'esprit. La divinité se tenant en retrait pour laisser à l'homme toute la place. Ce dernier atteint le plein arbitre en terrorisant la combinaison du juste et du vrai. Cependant, le statut d'immortel n'est pas un aboutissement définitif. Il est toujours à conquérir. Les guerriers, quand le savent, ce statut se perd. Si l'homme se relâche, il doit toujours tendre vers cet idéal. On a fini avec la parole. Le musicien poète ou le diseur d'un vêtement. Oyonnax, le fondateur du Mvet, cumulait les talents. Il était à la fois harpiste de génie, guerrier redoutable et prêtre. Dans les généalogies, nulle part il n'est mentionné qu'il aurait eu une épouse ou un fils. Il ne possède aucune descendance, hormis l'école de Mvet qu'il créa et qui devait perpétuer son nom et celui des Ekans. Vrai quand c'est la geste des Ekans. L'histoire a retenu qu'il entra dans un état comateux qui lui permit d'être en contact avec la divinité Eyo. La divinité lui révéla de nombreuses choses, dont l'origine de la vie, de l'homme, la voie à suivre pour retrouver et fonder un nouveau pays et surtout le moyen de perpétuer ses enseignements. C'est la raison pour laquelle tous les musiciens, poètes ou diseurs de Mvet passent par l'initiation traditionnelle instituée par Oyonnax Ngwane. C'est la certification de l'authenticité et de la conformité du diplôme et du grade de diseur de Mvet ou de musicien poète. Il n'existe pas d'autre école de Mvet en dehors de celle d'Oyonnax. Le terme musicien poète semble convenir en ce sens que cet homme à la fois auteur-compositeur de poèmes épiques, dramaturge, interprète et instrumentiste. Interprète, il interprète, on a vu tout à l'heure, il crée des chants et il les interprète. Il compose des poèmes, des interludes et des soliloques. Il les interprète ensuite au son de sa harpe devant un auditoire. Parfois, il esquisse quelques pas de danse pendant les interludes, mais cela ne fait pas d'une vête une danse, un opéra ou une pièce de théâtre, comme certains l'ont dit. L'étudiant musicien, l'étudiant diseur de Mvet est généralement un adolescent qui montre un penchant pour les belles lettres, la belle langue, la musique. Il écoute avec enthousiasme et délectation les récits du Mvet. Puis, assuré de son choix, il sollicite son admission auprès d'un maître Mvet réputé. Celui-ci lui fait passer des tests d'aptitude pour mesurer son intelligence, les capacités de sa mémoire, mais également son courage pour vaincre le tract lié à la performance, c'est-à-dire à la séance de Mvet. Des tests d'aptitude au paranormal peuvent également être envisagés pour l'aspect ésotérique. Pourtant, pour la veine traditionnelle conservatrice, une fois admis au test, le futur disciple s'installe auprès de son maître comme cela se faisait dans l'Antiquité grecque.
Nous savons que l'école de Crotone où Pythagore enseignait était, on l'appelait le lycée, tout le monde, les gens étaient internes et ils apprenaient la philosophie auprès de Pythagore. L'enseignement d'une vête véritable n'est pas écrit, il est oral. Et par transmission directe de maître à disciple. Même si le maître l'était, comme l'était Tsirandondoutoum, hier, mon confrère Lengon vous a expliqué tout le mal que Tsirandon et sa famille avaient concernant le fait qu'il était lettré, mais quand il est revenu, c'était le retour de l'enfant prodigue. Il est important ici de faire la différence entre les diseurs de mvette subissant une formation traditionnelle telle que décrite ci-dessus et les chercheurs en mvette appelés mvettologues. Suivez mon regard. Le disciple demeure auprès du maître pendant de longues années. Il apprend à fabriquer, à accorder et à jouer de la harpe. C'est le premier échelon. La formation comporte de nombreuses matières. La culture générale, l'histoire et la géographie du mvette et des fans, la philosophie, les rites et croyances, les sciences humaines et de la nature, du corps humain, la pharmacopée. Oui, la pharmacopée. Tous ces savoirs lui permettent de perpétuer la civilisation depuis les origines et de faire face à la modernité. Mais surtout, il a l'impérieux devoir de la transmission de ses savoirs. Celle-ci se fait par le truchement des poèmes déclamés et chantés. Le disciple apprend à composer des récits dramatiques, des chansons appelées interludes accompagnées par la divine harpe, son compagnon et son soutien. Tira nous confie ceci. En effet, quand on dit mvette, on pense immédiatement au joueur-artiste avec son instrument. Les deux sont indissociables. Il n'y a pas de joueur de mvette sans instrument. De nombreux musiciens poètes existent, mais rares sont les grands maîtres. Un jeune disciple a le devoir de parfaire sa formation auprès de plusieurs maîtres s'il veut parvenir à l'apogée de son art. Concernant le volet formation, Tirandon nous confie encore, il a eu pour se faire de nombreux maîtres que vous avez cités hier, chacun avec sa verve. Il y avait un foulou, il y avait Woro, il y avait chacun avec sa verve, sa mimique, ses tirades, son talent, son génie particulier. Les chanteurs de mvette diffèrent les uns des autres comme Hugo de La Fontaine, Senghor de Césaire. La formation de musiciens, poètes et leur examen final constituent les secrets les mieux gardés de la tradition. Tira décrit sa formation en des termes anodins tels que vers, mimique, tirade, talent, sachant pourtant que cette formation n'est pas à la portée du premier venu. Cette constatation amène à poser le problème du statut du musicien-poète en pays fan. Ntumeyoka, où le mvette a gardé sa fonction originelle, le musicien-poète a un statut cultuel. Je dis bien cultuel. Pas culturel, cultuel. Le mvette est l'unique rite ayant survécu à la destruction des différents ordres initiatiques que je venais de nommer. Melan, c'est-à-dire le Biri, le Sot, les Six, le Ndi. Le mvette est ainsi proféré pendant la période rituelle du retrait de deuil. Ça, je l'ai dit. Le distique de Zwengema, cité par Tsirandondoutoum dans sa dernière œuvre, Nto, au Kwabgemo Zomunto, l'aîné doit régler les différends d'aînés. Unkuroyong. L'artiste Oyon, quant à lui, doit diffuser la parole sacrée en plein jour. Ngun désigne le sanctuaire où est célébré le culte du Biri. Mdzomungun signifie mot à mot les paroles du sanctuaire. À la lumière de ces indications, le musicien poète apparaît comme un médiateur de la transcendance, de la divinité. Il rapporte aux initiés son auditoire de prédilection les paroles de la transcendance, de l'absolu. Ce statut ne s'applique qu'au seul Mvérékan, pas au Bibone ou Ndomakoda ou Ngoubi,
qu'on retrouve en pays béti. Là, je parle sous le contrôle de mon Seigneur. L'analyse scrutera avec attention la réelle signification du statut du musicien-poète en relation avec le contenu du vrai camp. Le poème dans le vet est appelé l'envet. L'énoncé d'une vet est rythmique parce que soutenu par la musique de la harpe, la langue et la musique fusionnent. Le caractère musical du fan trouve sa possibilité grâce à deux paramètres. Les tons moyens, bas et haut, et le dédoublement des voyelles longues et brèves. La langue fan Boulbéti se compose effectivement de 18 voyelles longues, brèves. En outre, le fan utilise abondamment les idéophones, c'est-à-dire les onomatopées, pour la caractérisation imitative. Quand on dit, je vais prendre un exemple qui fâche, bilop, bilop, c'est pas une insulte. Parce que le fan caractérise, quand il n'entend pas, il dit lop, 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 lop. Bilop, ce sont les gens qui parlent lop, 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 lop. On n'entend pas. C'est un idéophone. Comme on dirait le coucou. Le coucou, c'est l'oiseau qui fait coucou, coucou, coucou. On l'appelle le coucou. Donc ça, ce sont les idéophones. Donc, le Mvet utilise énormément les idéophones. Et le maître en la matière, c'était Akyobian. Tout le monde connaît Akyobian, avec une verve démentielle, des sonorités incroyables. Pour résumer le statut cultuel du diseur de Mvet, je dirais, c'est pas moi qui le dis, c'est le site, le TASS plutôt. Le poète se fait Dieu quand il compose un poème héroïque. C'est une belle formulation de l'état de grâce et de la vision élargie au cosmos qui caractérise le poète épique. J'ai préparé un petit condensé pour les étudiants de licence. Est-ce qu'ils sont nombreux? Parce que si vous n'êtes que deux, que trois, je préfère arrêter. Et puis, s'ils ne sont pas là, parce que là, c'est très technique, ça parle de l'épopée. On m'a dit que vous aviez un devoir à rendre sur l'épique. Ah, vous-même, vous êtes là. Oh, pardon, madame le chef du départ. Pourquoi vous allez... Que Wazoussou? Oh, je peux en parler alors? Il n'y en a que 5, donc ça vaut. Oui, c'est si, si, 5, c'est beaucoup. Ils sont nombreux, oui. Oui, on va quand même, ils se sont déplacés, on va leur... Oui, c'est pas beaucoup. 4, 5, 6. Il y a quand même 6 pages. Ou bien on fera un petit séminaire. Qu'est-ce que l'auditoire dit? L'auditoire d'une vête n'est pas passif. Hein? Vous dites? Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il y a les questions. On va écouter. On va écouter. D'accord. Voilà donc, voilà très brièvement présenté les aspects pratiques et les aspects théorique du MVET. Je me résume donc. Les aspects pratiques, c'est le temps de l'énonciation, l'espace de l'énonciation, le costume du diseur de MVET, l'auditoire. Je n'ai pas parlé de la voix, parce que là, on plonge en pleine oralité. La voix est un instrument poétique majeur. Je n'en ai pas parlé. Ensuite, j'ai parlé des aspects théoriques. J'ai commencé d'abord par le vet instrument, sa fonction. Ensuite, le texte lui-même, la décomposition du texte en segments narratifs,
en interlude, c'est-à-dire le chant, en soliloque, c'est les lamentos. Et ensuite, j'ai parlé de la parole démiurgique, la parole des origines, des yo. Parce que les joueurs de Mvet sont censés nous enseigner ce que Eyo a dit. C'est pourquoi ils disent que c'est dicté en rêve. Et donc c'est la parole des origines, la parole d'Eyo. Et généralement, les matrices sont sous forme de distiques philosophiques que le poète énonce au début. Et puis bon, le musicien poète, c'est un médiateur de la transcendance. Hein. Il a un statut culturel. Et donc, gardons-lui, gardons le Mvet, sa fonction multimillénaire. C'est vrai qu'il faut vulgariser. Il est vrai qu'il faut s'ouvrir au monde. Il est vrai qu'il faut enseigner de plusieurs façons par la bande dessinée, par les films, mais de grâce, gardons-lui sa fonction cultuelle, sa fonction rituelle et sacrée, parce que c'est un rite de passage, et essayons, le Mvet a vécu des millénaires, que nous ne le détruisions pas en l'espace d'une dizaine ou de 20 ans pour faire moderne. Je vous remercie de votre patience.
Thank you.